Silence! Silence! Deux autres. Comment t'appelles-tu? Donato Bradine, surnommé Brag, pour la Corporation des Gondoliers. Et toi? Menego Zanin, pour les maîtres verriers de Murano. Attention! Veuillez répéter après moi. Avec honneur et loyauté. Avec honneur et loyauté. Et en suivant les traditions. Et en suivant les traditions. Que nous avons reçues de nos pères. Que nous avons reçues de nos pères. Je crois qu'ils sont à égalité. Par sang, Marco, Bortolo, tu as raison, ils sont à égalité. Tu as l'ouïe très fine, elle t'en apprend autant que mes deux yeux. Il a raison. Il y a 100 ducats de bon aloi de récompense pour celui qui aura le courage de faire un essai. Sinon, je les mettrai dans le fond commun. Alors, dépêchez-vous. Nul ne se décide. Personne n'a le courage d'essayer. Dans ces conditions, je déclare terminé... Non, attends un peu, Bortolo. Je n'ai pas encore dit non, il me semble. Tu arrives seulement maintenant? Comment se fait-il que tu aies tant tardé? C'est que les braves soldats de la République font trop bonne garde. Je n'ai réussi à tromper leur surveillance qu'après le coucher de la lune. Pense que j'ai laissé passer une occasion magnifique de fracasser quelques têtes républicaines parce que je n'ai pas voulu que tu attendes trop. Eh bien, qui aura l'audace de se mesurer à moi? Je suis prêt. Je vous attends. Tiens, voici mes 100 ducats d'or. Joins ces pièces aux autres, Bortolo. Alors, j'attends. Courage! Est-ce qu'on peut espérer trouver un homme qui soit encore digne de porter ce nom sur la lagune vénitienne? Vous aimez bien avoir des ducats, mais vous ne voulez rien faire pour les gagner. Alors, aucun de vous ne relève mon défi? Au nom de Venise et au nom de San Marco, je relève ton défi et en outre, je te parie 100 ducats. Jamais je ne t'ai vu à Venise, mais tu es un homme fort. En te voyant, on devine que tu es d'une bonne et solide race. Mais dis-moi, as-tu les 100 ducats? Oui! Je suis son garant, Guarnieri. Et comment s'appelle cet homme pour qui tu es prêt à te porter garant? Je m'appelle Sandrigo Bembo. Je suis le fils du doge. Tu es le fils du doge. C'est une chose étonnante que le fils de l'illustre Bembo vienne se fourvoyer en si modeste compagnie. Je choisis mes amis où je veux. Y trouves-tu à redire? Tu es un homme beaucoup trop riche. Tu ne dois pas avoir d'ennemis ici. J'aurais autant de plaisir à me montrer supérieur à toi que j'en aurais à battre le doge s'il osait venir m'affronter. Avec honneur et loyauté, et suivant les antiques traditions en vigueur depuis la fondation de Venise. Je voudrais que ce soit un ennemi que je cogne. Le coup que je vais frapper avec cette hache ne donnera qu'une faible idée du ressentiment que j'ai au cœur. D'après le son, il a atteint le cœur de l'arbre. Il pourrait aussi trancher un coup aussi gros qu'il soit. Aucun bourreau de Venise ne saurait se servir d'une hache de cette façon. Avec honneur et loyauté. Bravo, tu es fort, je le reconnais. Mais nous nous retrouverons. Ah, quand tu voudras. J'instruirai le doge de tes différentes salutations. Quel est ton nom? Guarnieri. Je suis heureux pour toi. Merci, Michele. Rires.
tout droit, par ici. Bartolo, qui est cet homme? Un pirate. Un étranger? Oui. Mais il n'a pas le moindre accent, c'est étonnant. Je ne fais guère attention à ça. Allons donc, tu as les meilleures oreilles de Venise. Qu'il ait un accent ou qu'il n'en ait pas, peu importe. Il déteste Venise et il déteste mon père. Pourquoi? Mon ami, il a ses raisons et je les ignore. Venise a été quelquefois fort injuste, même avec ses sujets. Tu dois te rappeler cependant qu'ici, à la Giudecca, il est notre hôte. Oublie qu'il est venu et fais comme si tu ne l'avais jamais rencontré. Voici ce que tu as gagné. Merci. Mes amis, un instant. Écoutez-moi. C'est ma dernière soirée avec vous. Demain, j'épouse la plus belle des jeunes filles de Venise. Tenez! Buvez tous à la santé de la future mariée. Toutes nos félicitations et que tes noces soient heureuses. Je m'inquiétais à ton sujet. J'en suis très heureux. Cela prouve que tu m'aimes. J'en serais morte s'il t'était arrivé quelque chose de fâcheux, surtout ce soir, le dernier soir. Le dernier soir. Nous avons toute la vie devant nous. Léonora, je t'aime. Je veux que tu sois la femme la plus comblée quand nous serons mariés. Si c'est cela que tu veux, promets-moi une chose, je t'en prie, Sandrigo. Quelle chose? Promets-moi que tu ne retourneras jamais à la Giudecca après nos noces. Non, Léonora. Je ne te ferai pas une promesse que je ne tiendrai pas. Oh, pourtant tu le ferais si tu m'aimais. Mais je te fais une autre promesse si tu veux. Tu as ma parole que lorsque j'irai, je t'emmènerai chaque fois. Oh, voyons, et penses-tu, tu conduirais ton épouse en pareil lieu? Mais c'est un endroit mal famé, où il n'y a que des voleurs, des malandrins et toutes ces horribles filles. Il faut les mieux connaître. Tu verras alors qu'ils sont le cœur de Venise. Ce sont avant tout de pauvres gens. Très pauvres. Pense que jamais ils ne pourront avoir ce que nous avons. Pense qu'ils sont dénués de tout. Mon père dit toujours que tous les vauriens qui infestent Venise viennent de la Giudecca. Ton père et le mien évoluent dans des sphères trop hautes. Ils n'ont aucune idée de la manière dont vit le menu peuple. Ils refusent de s'y intéresser. Et ils ont bien tort. Pourquoi? Que gagneraient-ils à connaître leur mode d'existence? Ils auraient des amis au lieu d'encourir leur inimitié. En particulier mon père. Oh, tout le monde l'aime à Venise. Moi, j'en suis moins sûr. Pas plus tard que ce soir, j'ai parlé avec un homme qui lui a voué une haine féroce, au point de me haïr parce que je suis son fils. Pourquoi? Laissons cela et ne pensons qu'à nous. Jamais venir ici sans que je te demande, tu le sais. J'apporte une nouvelle importante. Quelle nouvelle? Mais avant, rappelez-vous votre promesse. Laquelle? De me faire nommer commandant de la milice. Si la nouvelle que tu apportes te vaut d'être nommé commandant, je tiendrai ma promesse. Je suis fort honoré par ce que vient de dire le grand inquisiteur. Assez de flatterie, parle, je t'écoute. Sandrigo et Guarnieri se trouvaient ensemble ce soir.
Où cela? Au Campo San Luca. Et plus de 100 personnes les ont vus s'adresser la parole. De quoi est-ce qu'ils parlaient? Je vous ai dit qu'on les avait vus s'adresser la parole. Ils se sont entretenus à voix basse. Je n'ai pu entendre leur conversation. Quoique j'ai essayé. Peu importe. Ainsi, on les a vus ensemble. Bien. Très bien. Excellente nouvelle. C'est un beau jour que celui où nous marions nos deux chers enfants, messire Leonardo. Il serait encore plus beau si l'état de votre santé vous autorisait à y assister. C'est pour moi une cruelle déconvenue, mais je serais trop désolé si une de mes crises venait attrister la cérémonie. Sachez que mon cœur, quoi qu'il soit malade, sera avec vous constamment. C'est la cloche du palais de justice. Oui. Elle annonce une autre condamnation à mort. Elle visait Frasca. Oui. Frasca a avoué. Sous la torture. La torture est légale. C'est l'usage à Venise. D'ailleurs, Rodrigo de Zeno n'est pas homme à violer nos lois. Pourquoi de Zeno tient-il tant à la mort d'Alvisé? Il ne lui a causé nul tort, n'est-ce pas? Alvisé Frasca est mon ami. Et en outre, il fait partie du Conseil des Dix. 10 moins 1, cela fait 9. 9 moins 1, cela fait 8. Et cela continuera de la sorte. La hache élimine les amis que je compte au Conseil et cela fait le jeu de Rodrigo. Et je serai en minorité avant qu'il soit longtemps. Mais vous êtes le doge de Venise. Ne sauriez-vous l'empêcher? Je suis l'esclave de mes docteurs et de leur médecine. J'ai le fardeau d'une vie chancelante. J'attends qu'un ultime miracle fasse couler un sang plus vif dans mes veines. Mais Sandrigo... Sandrigo... Ah, voici un jeune homme, messire Leonardo, qui n'a aujourd'hui aucun souci. Messire Leonardo, si vous le permettez, j'aimerais rester seul avec Sandrigo, lui parler de père à fils. Alors je vais à l'embarcadère et j'attendrai. Nous irons ensemble chercher la fiancée. Vous désirez me parler, père? Cela fait déjà quelque temps que je veux t'entretenir de certaines choses, mon fils. Il faut que tu apprennes la vérité sur ta naissance. Ma naissance? Que voulez-vous dire? Tu ne te rappelles pas le jour où l'on t'a fait sur la poitrine ce curieux tatouage? Non. Mais j'étais sûrement très jeune. Et tu ne t'es jamais demandé par qui il avait été fait? Bien sûr, très souvent. Mais je suppose que c'est vous. Le tatouage n'est pas en usage à Venise. Je le sais. Tandis que chez les pirates... Oui, je sais aussi cela. En général, leurs tatouages sont des animaux, des fleurs ou d'étranges symboles. Tandis que le mien représente la Vierge Marie. Quoi qu'il en soit, je... Père, voulez-vous dire que ce tatouage pourrait avoir un rapport avec les pirates? Voilà déjà de longues années, alors que j'étais capitaine général de Venise, j'ai attaqué et brûlé un vaisseau pirate. Et le seul survivant fut un tout jeune enfant. Toi, tu semblais très éveillé. Tu étais beau. Il y avait de la noblesse en toi. Quoique tout jeune, tu avais l'air très brave. Tu te tenais droit près du cadavre de ta malheureuse mère. Tu avais pris une épée aussi grande que toi et tu semblais prêt à te battre contre tous. J'ai fait le serment devant Dieu que je t'élèverai, t'aimerai, comme si tu étais mon fils. Le jour de ton mariage, je voulais que tu saches la vérité. Je te fais souffrir, mon fils. Je vous aimerai toujours, comme si j'étais votre fils. Je te remercie. Que le ciel te protège et te bénisse. Maintenant, va rejoindre ta fiancée. Tu ne dois pas la faire attendre. Jamais.
Dis-moi, qu'est-ce qu'on voit à Ménégo? On voit le cortège qui vient par ici. Oh, tu crois qu'on nous permettra d'entrer dans l'église? Personne ne nous empêchera d'entrer, mais tu ne verras rien. Pourquoi? Parce que la cérémonie va avoir lieu dans une petite chapelle privée. Tu comprends, à cause de l'état de santé du doge. Les voilà! Les voilà, les voilà, ils arrivent! Esmeralda, raconte-moi. Voilà la bandole avec des ornements d'or et d'argent qui amène la fiancée. C'est elle qui ouvre le cortège. Ah, oui. Ménégo, tu vois autre chose? Oui, de beaux gondoliers qui ont l'air de grands seigneurs. Je vais leur offrir les fleurs. Oui, courage, vas-y vite, Esmeralda. Et rappelle-toi ce que tu dois leur dire. Oui, oui. Avec tous nos voeux de bonheur, de la part de tous les amis de San Diego. Merci. Voulez-vous prendre Léonora Danine ici présente comme légitime épouse selon les rites de notre Sainte Église catholique romaine? Oui. Léonora Danine, voulez-vous prendre Sandrigo Bembo ici présent comme légitime épouse selon les rites de notre... Sandrigo Bembo? Qui est-il? Suivez-moi hors de l'église. J'ai une communication urgente à vous faire. Léonora, ne t'inquiète pas, je reviens immédiatement. Mon Dieu. Viens, Michael. Suivons-les. Que me voulez-vous? Sandrigo Bembo, au nom de la Sérénissime République de Venise, je vous arrête, suivez-moi. Et de quoi suis-je accusé? Vous le saurez. Pour l'instant, j'ai ordre de vous arrêter. Je refuse de vous suivre avant de savoir pourquoi. Dans ce cas, je vais être obligé d'employer la force. Sandrigo! Si tu lui résistes, ce sera pire encore. Fais ce qu'il dit, suis-le. Dès que ton père l'apprendra, il te fera relâcher. Je t'en prie, laisse ton épée. La violence ne servira à rien. Je vais demander au grand inquisiteur les raisons de votre arrestation. Il devrait être ici. Il était invité à notre mariage. Oh. C'est vrai? Il devrait être ici? Rassure-toi, ce doit être une erreur. Bon, allons. Oh. Ménégo, suis-les. Et tu me diras où ils vont. Mmh.
mais pourquoi avez-vous attendu 2 jours avant de m'aider? J'avais l'ordre formel de ne vous déranger en aucun cas. Qui vous a donné cet ordre? Le grand inquisiteur, Rodrigo Zeno. Zeno, Zeno, toujours ce Zeno. Sa seigneurie, le grand inquisiteur, Don Rodrigo Zeno. Mes respects, seigneur. Vous m'avez fait mander? Oui. J'apprends que depuis 2 jours, Sandrigo, mon fils, est en prison. J'apprends aussi que c'est vous qui avez donné cet ordre. Pourquoi? Pourquoi? C'est le grand conseil des 10 qui a pris cette mesure. Je regrette, seigneur. J'ai exécuté l'ordre. Vous auriez dû m'en avertir immédiatement. Vous étiez très souffrant. Vous aviez d'ailleurs renoncé à venir à l'église. J'ai craint que votre cœur ne supporte pas cette émotion. Je suis très reconnaissant de votre sollicitude. Je sais vos sentiments. Une question maintenant. Pourquoi l'avez-vous arrêté? Pour empêcher que votre fille n'épouse un traître. Mon fils, Sandrigo, un traître? En vertu d'une loi que vous avez vous-même promulguée et signée, et selon laquelle toute personne qui entretient des relations, quelles qu'elles soient, avec des ennemis de la République, est accusée de trahison. Je veux que vous me disiez de quelle trahison vous l'accusez. Durant la soirée qui précédait son mariage, Sandrigo Bembo a été vu à San Luca alors qu'il fraternisait avec Guarnieri, un coquin qui est le chef des pirates. Non, c'est faux. J'y étais aussi. Sandrigo s'est mesuré avec lui pour défendre la renommée de Venise. Ce n'est qu'ensuite qu'il a su que son adversaire s'appelait Guarnieri. Mon cher Pietro, vous devriez être plus prudent. Pensez que vous voilà en train de défendre un traître. De plus, vous venez d'avouer devant nous que vous étiez vous aussi auprès de ce pirate. Avec quelle insolente effronterie, vous avez l'audace de menacer un homme qui veut dire la vérité. Un instant. Parlons franc. Dites-moi, seigneur Zeno. Sandrigo Bembo serait-il aujourd'hui en prison si Leonora avait accepté de s'unir à vous et non à lui? Votre fille, Leonora, est en dehors de tout ceci. Je suis le grand inquisiteur. C'est mon devoir de veiller à ce que l'on respecte les lois de Venise. S'il est exact que ce n'est pas la jalousie qui vous fait agir, pourquoi avez-vous évité de venir aux noces? Eh bien, mes hommes venaient de capturer Guarnieri, le pirate. À cette heure-là, j'étais occupé à faire avouer à ce scélérat que Sandrigo Bembo trahissait Venise sans la moindre vergogne et qu'il avait souvent aidé les pirates. Mensonge! C'est la vérité. Et des preuves en ont été données au Conseil des 10. Dites plutôt votre conseil, une assemblée de marionnettes. C'est le Conseil de la République de Venise. Les 10 ont donné l'ordre de l'arrêter. Je n'ai fait qu'exécuter cet ordre. Je regrette d'avoir à vous le dire, mais je ne permets à personne de m'accuser de partialité. En tout cas, malgré les preuves, je vais parler aux amis que j'ai dans le conseil afin qu'ils s'unissent aux vôtres pour éviter une grave sentence. Mais vous ne devez jamais oublier que les ennemis de Venise et ceux du Doge doivent être sévèrement châtiés. Aujourd'hui, en ce même instant, le bourreau de Venise s'apprête à exécuter l'odieux traître Alvise Frasca. De son ducat pour remettre ce billet. Si tu refuses de le faire, je te promets de te briser le cou quand je sortirai. Même si vous étiez sans Marco, je refuserais de remettre votre billet. Vous devez le savoir, vous êtes ici dans la prison du grand inquisiteur. Si je vous aidais, je ne vivrais pas vieux, j'aurais le cou tranché. N'oublie pas que moi, je t'ai promis de te le briser. Je vous fais un pari. Le grand inquisiteur vous aura fait trancher la tête avant que vous touchiez la mienne. De toute façon, tant que vous êtes ici, vous n'avez rien à craindre. Quand on vous mènera au puits, alors vous aurez de bonnes raisons de sentir le froid de la mort sur vous. Comme celui qui est là, dehors. 3 jours dans les puits, et aujourd'hui... cette affreuse charge de bourreau parce que je déteste le Doge et tous les Vénitiens. Parce que je savais que ceux qui étaient contre moi
viendrai sûrement finir un jour ou l'autre sous ma hache, comme Andrea Dorigo, Corrado Dondolo et aujourd'hui Elvis et Frasca. Et tu oublies celui que tu es le plus. Patience. Contre lui, c'est du temps perdu. Le doge est un fin politique qui a encore trop d'alliés à Venise. Jamais tu ne l'auras sous ta hache si tu ne suis pas mes directives. Croyez-vous que je puisse porter une accusation contre un homme que je ne connais pas, surtout si cet homme est un innocent? Méfie-toi, Guarnieri. Ici, à Venise, quand j'ordonne, on obéit. Je ne suis pas vénitien. N'oublie pas que tu es à Venise pour l'instant. Si je vois que tu ne m'es plus d'aucune utilité, je te ferai enfermer au plomb. Et ensuite, je devrais me couper le cou, sans doute. Je vous déconseille de le faire, Zeno. Si je mourais par votre faute, tous les Vénitiens connaîtraient dans les 24 heures certains détails intéressants sur vous et sur moi. Je ne suis pas un fou. Sachez que j'ai pris toute précaution utile avant de venir ici et je m'en félicite. Jusqu'où pourrait aller ta haine pour le doge? Jusqu'où? Faut-il que je vous le redise encore? Irait-elle jusqu'à haïr son fils? Oui. D'ailleurs, il le sait. Écoute, Guarnieri, ne penses-tu pas qu'il est juste que les fils paient les dettes de leur père? Je n'ai qu'un but, voir souffrir cet homme. Que ce soit d'une façon ou bien d'une autre, je veux le voir souffrir. Sandrigo Bembo est le fils du doge. Ah oui, je le sais. Je le sais. Mais c'est contre Sandrigo Bembo que je voudrais que tu fasses ce témoignage. Sandrigo Bembo. Oui. C'est avec plaisir que je témoignerai. Avec grand plaisir. Léonora. Mère, vous avez des nouvelles? Non, aucune. En ce moment même, il doit être en train de comparaître devant le Conseil des Dix. Ton père s'entretient avec le doge. Oh. S'il y a un doute, le doge s'opposera à toute condamnation en mettant son veto. Oh. Sandrigo Bembo, avez-vous entendu ce qu'a dit le pirate Guarnieri? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je vous assure que je n'ai vu cet homme qu'une seule fois dans ma vie et que j'ignorais alors qu'il était un pirate. Je nie avoir été son complice lors des incursions qu'il a faites dans Venise. Il ne dit que des mensonges. Et quelqu'un l'a sans doute payé pour cela. Faites attention à ce que vous dites. Je vous rappelle que vous êtes ici pour vous défendre et non pour accuser. Il a raison. Pensez donc à vous défendre. Je crois de mon devoir de prier le conseil de ne pas attacher d'importance aux paroles de Sandrigo Bembo. Son cas est très grave et il a encore été aggravé par la déposition de Guarnieri. Vous croyez les paroles d'un gredin et non celles d'un gentilhomme? Cette objection est fort juste. On devrait en effet se méfier des dires d'un pirate. Mais alors, il faut se poser la question de savoir ce qu'il gagnerait en témoignant faussement. Si Guarnieri pense qu'il réussira à sauver sa tête en accusant Sandrigo Bembo, je dois l'avertir qu'il se trompe et qu'il se rendra bientôt compte qu'il a fait erreur. Grâce à son expérience et à son sens élevé de la justice, le Grand Conseil saura juger avec sagesse les deux accusés et il émettra un verdict qui sera équitable et selon sa conscience. Passons au vote. Emmenez-les. Je demande la parole. Maintenant, vous allez voter. Avant de le faire, je voudrais que chacun de vous réfléchisse et se dise qu'il s'agit du fils du doge à qui Venise doit beaucoup. Je désire m'associer aux paroles du conseiller Grimani. Et je demande au conseil l'autorisation de ne pas assister au vote. Je craindrais que ma présence ici, qui n'a de valeur que par la haute charge dont je suis investi, ne puisse avoir une influence sur votre décision. Ce que j'ai dit a été inutile. Les 6 conseillers amis de Zeno ont tous voté la condamnation. 6 voix contre 4 seulement. Le témoignage de Guarnieri a été décisif. Guarnieri a menti. Si nous lui faisons avouer qu'il a fait une fausse accusation, j'aurai le droit d'exiger que Sandrigo soit de nouveau jugé. Dès demain matin, et sans que le grand inquisiteur le sache, j'irai à la prison et je vous serai obligé de venir aussi voir Guarnieri. Et sache dans l'état où vous êtes. Je trouverai la force. Guarnieri devra dire la vérité. Si c'est un vrai chrétien, il la jurera sur les saintes écritures. Si c'est un mécréant, il la dira sous la torture.
La comtesse Léonora veut te voir. Qu'elle entre. Entrez, comtesse. N'ayez pas peur. Ici, il n'y a que des amis de San Diego. Je sais cela. Oh, vous croyez sans doute que Michele Arca est aussi un des amis de San Diego. Oui. Savez-vous que Michele Arca est à la solde du grand inquisiteur? Non. C'est impossible. C'est lui qui a dit à Zeno qu'on avait vu San Diego causer avec Guarnieri. Mais pourquoi? Pourquoi? Oh, l'ambition. Rien que l'ambition. Tous les Vénitiens savaient que San Diego allait avoir le commandement de la milice. Et Michele Arca veut aussi être à la tête de la milice. En êtes-vous sûr? Croyez-moi, je suis aveugle, mais j'ai 100 oreilles. Il faut punir ce maudit Michele Arca. Je jure devant Dieu que je le tuerai de mes propres mains. Non, n'en faites rien. Vous le savez, San Diego a été condamné par le Conseil. Il faut que nous le sauvions. Rassurez-vous, dans la nuit de demain, quelqu'un libérera San Diego. Et comment parvenir jusqu'à lui? Les gardes sont tous des fidèles de Rodrigo Zeno. Soyez sans crainte, les gardes n'y verront que du feu. N'est-ce pas, Ménégo? Mais oui. Dans quel cachot est Guarnieri? Dans celui-là, Seigneur. Ouvrez-le. Je vous ai dit, ouvrez-le. Ne savez-vous pas qui vous l'ordonne? Ouvrez ce cachot. Mais c'est ouvert. Beppo est mort. Le pirate s'est échappé. Comment a-t-il pu? Ils l'ont aidé. L'unique témoin a disparu. J'ignorais que vous aviez émis le désir de venir ici, Seigneur. Guarnieri s'est évadé. Comment? Qu'avez-vous l'intention de faire? Je vais faire une enquête et chercher les responsables. Ils seront punis. Ce zèle vous honore. Mais ainsi s'évanouit la seule chance que j'avais de voir Guarnieri. Si sa déposition n'était pas déjà recueillie, nous exigerions que San Diego revienne devant le Grand Conseil. Elle est déjà signée. Et on ne peut plus rien contre la sentence du Grand Conseil. Ainsi le piège se referme et tout est fini. Oh, malheureux San Diego. Ménégo, écoute bien, San Diego. Nous venons pour te sauver. Casse-toi. San Diego Bembo, j'ai l'ordre de vous transférer dans les puits.
La comtesse Leonora, excellence. Qu'elle entre. Leonora. Il fallait que je vous voie. Vous auriez dû me faire appeler, Leonora. Et qui aurait cette audace avec le grand inquisiteur? Quand on veut le voir, on se dérange. Surtout quand on vient en solliciteur au nom de la justice. Je suis un ami. Un ami de votre famille. Donc le vôtre aussi. Dans ce cas, prouvez-le. Libérez tout de suite Sandrigo. Je ne suis que le grand inquisiteur. Et je ne puis, à l'encontre de ce que vous croyez, libérer un homme condamné par le Grand Conseil. Dites plutôt par vous, parce que c'est à lui que j'ai donné mon cœur, et non à vous. Laissons de côté Sandrigo. S'il n'existait pas, peut-être m'aimeriez-vous, Leonora. Ce que vous dites est inutile et n'a pas de sens. Sandrigo existe, et c'est lui seul que j'aime. Et soyez certain que je l'aimerai tant que j'aurai un souffle de vie. Ce n'est pas Sandrigo que vous devriez détester, c'est moi. Moi qui rejette avec dédain votre amour. Car lui, il n'a fait que prendre le cœur que je lui offrais. À présent, je vais essayer de vous prouver sans conteste que je n'avais aucune raison personnelle d'arrêter Sandrigo. Je vais retarder l'exécution, mais ensuite, je retrouverai ce guard. Non, je veux qu'il soit libéré tout de suite. Mais je ne puis le faire, Leonora. Mon unique espoir est de reprendre Guarnieri. Quand je le tiendrai, je le forcerai à se rétracter. Il n'y a pas d'autre moyen de sauver Sandrigo. Est-ce que je dois vous croire quand vous dites que vous voulez le sauver? Je comprends que vous vouliez être uni à un autre, mais ne me détestez pas. Je veux que vous me fassiez confiance. Je voudrais aussi que votre père croie ce que je dis. Mais je vous conjure de m'aider, si vous tenez à Sandrigo. Il a des amis très agissants à Venise. Ils vont sans doute tenter de le faire évader par tous les moyens, peut-être dès cette nuit. Alors faites-leur comprendre qu'une pareille tentative ne pourrait qu'aggraver son cas. Voyez-vous, nous avons une loi qui dit sans aucune ambiguïté que tout condamné à mort qui tente de fuir est exécuté sur le champ. Et nous, nous voulons gagner du temps. Leonora, il faut à tout prix que vous évitiez cela. Tu vas faire sceller deux chevaux. Tu viendras avec moi. Ne sois pas inquiet. Quand tout sera fini, je te ferai commandant de la milice de Venise. Alors, avez-vous obtenu quelque chose de Rodrigo de Zeno? Il m'a laissé un peu d'espoir, mais il faut attendre. Ajournons la tentative d'évasion. Faire évader Sandrigo, il semble préférable d'attendre. C'est à voir, Pietro. En tout cas, je laisse des hommes en surveillance près des plans. C'est plus sage, en effet. Je ferai en sorte que Sandrigo tente de s'évader. Nous aurons ainsi une raison valable de l'exécuter dans la prison. Et non pas en public. Ce sera cependant légal. Mais il sera exécuté par le bourreau de Venise. Non, non, je n'aurai pas eu la vengeance que je veux. Si on l'exécute en secret. Je veux que tout Venise sache que pour venger la mort de mon fils, j'ai versé le sang du fils du doge. Mon fils, un petit être innocent. Il est au fond de la mer, par la faute de Bembo. Oui, ce spectacle serait sûrement très émouvant, mais présenterait quelques dangers. Sandrigo est très aimé à Venise, le peuple pourrait se révolter. C'est pourquoi je préfère mon plan. Si tu refuses de m'obéir, je trouverai un autre bourreau. Non, non, c'est moi qui veux l'exécuter. Demain, chez moi, au milieu de la nuit, tu mettras ta cagoule de bourreau. Êtes-vous certain qu'il acceptera de tenter de fuir? Je connais quelqu'un qui a sa confiance et qui le convaincra. Rappelle-toi, je suis prêt à te donner ce qu'il faudra en échange de ce service.
Mais si tu me trahis, sache que je serai sans pitié. Nous sommes bien d'accord. Ce geste est sacré. Tu es forcé de tenir ta promesse. Je le sais. Savez-vous que Sandrigo a le même tatouage sur la poitrine? Sandrigo est le fils de Guarnieri. Vous saviez? Depuis longtemps. Et vous en avez gardé le secret? J'attends d'avoir une occasion. Peut-être un jour en tirerai-je quelque avantage. Le père tranchera le cou de son fils. C'est cela. C'est classique. Une vraie tragédie antique. Nous n'avons pas un instant à perdre. La voie est libre jusqu'à la grille qui donne sur le canal. Là, tu trouveras une gondole qui t'attend. Bon, allez, avance.
Malheureusement, messeigneurs, toutes nos recherches ont été vaines. Et le corps de Sandrigo Bembo n'a pas été retrouvé. Au cours de cette folle tentative d'évasion, il a rencontré la mort. Maintenant, nous ne pouvons plus que prier pour son âme. Cela ne suffit pas, Rodrigo Zeno. Quand il en était temps encore, j'aurais pu user de mon droit de grâce et convertir la condamnation à mort en détention à vie. Si j'ai renoncé à le faire, c'est par respect pour le Grand Conseil et parce que celui que vous aviez condamné portait mon nom. Mais maintenant, j'ordonne que la proclamation de la sentence et les motifs qui l'ont dictée soient différés. En personne, je conduirai une expédition contre les pirates. Où qu'ils soient, je jure de reprendre Guarnieri. Et je le forcerai bien à nous dire la vérité. Toute la vérité. C'est tout. Don Rodrigo Zeno désire vous parler. C'est inutile. Je refuse. Je ne suis pas de votre avis, Léonora. Je vous conseille d'entendre ce qu'il a à vous dire et de trouver le courage de lui déclarer ce que vous avez sur le cœur. Persuader Léonora de vous écouter. Mais je vous en prie, monseigneur, ne dites rien qui puisse troubler la paix de son âme. Elle s'est réfugiée ici où elle a passé quelques années de son enfance pour trouver cette paix intérieure que le monde lui a refusée. Léonora, selon la mère supérieure, vous êtes déterminée à rester ici. Et j'y resterai ma vie entière. Vous êtes trop jeune pour vous enterrer dans un couvent. Je suis lasse de toutes ces laideurs qu'il y a dans le monde et de l'injustice que vous et vos amis faites régner. Je veux vivre loin de ce monde. Ainsi, vous pensez toujours que je suis responsable de ce qui est arrivé. Seule votre conscience peut répondre. Maintenant, dites-moi pour quelle raison vous êtes venu me voir. Léonora, voulez-vous m'accorder la joie de vous aider à vous refaire une nouvelle vie ? Je vous offre un amour sincère. Avec moi, vous serez plus heureuse qu'avec Sandrigo. La vie s'écoulera uniforme et triste sans lui. Je renonce à toute joie. Dans la quiétude de ce couvent, je trouverai peut-être la force de continuer à vivre. Prenez garde, Léonora. Il y a encore des êtres que vous aimez hors d'ici. Ne pensez pas qu'à vous et à Sandrigo, pensez aussi à eux. C'est vous qui les perdrez ou c'est vous qui les sauverez. Vous devez choisir. Vous menacez Dieu, Rodrigo, et non moi. Craignez le poids de sa colère, parce que le jour viendra où vous vous trouverez face à face avec lui et vous lui rendrez compte de vos actes. Bortolo, quelqu'un veut te voir. Qui est là? Qui êtes-vous? Pietro. Où est Sandrigo? Est-ce qu'il est vivant? Sandrigo? Il est mal, très mal, mais on doit pouvoir le guérir. N'en dites rien, il faut que tout Venise croie qu'il s'est noyé. Je veux le voir tout de suite, je suis son ami. Non, personne ne le verra. C'est trop dangereux. Mais alors, vous m'accusez... Oh non, ce n'est pas cela, on ne vous accuse de rien.
L'ennuyeux, c'est qu'on vous voit traîner partout. Et que vous avez l'habitude de parler beaucoup trop. Mais il faut avertir le Doge. Nous avons envoyé quelqu'un dire au Doge que Sandrigo était en vie. Il ne sait rien d'autre. C'est l'existence de Sandrigo qui est en jeu, et je suis décidé à être d'une grande prudence. Bortolo, je t'en supplie. Laisse-moi le voir. À condition que vous vous taisiez. Personne ne doit le savoir. Oui. Est-ce que vous le jurez? Je le jure. Est-ce qu'on ne vous a pas suivi? C'est sûr. Oui. Venez. Regardez, il vient d'ouvrir les yeux. Sandrigo. Pietro. Bortolo. Esmeralda. Le bourreau, c'est... Rassure-toi, tu n'as rien à craindre, Sandrigo. Tu es en sécurité ici. Le bourreau... Le bourreau, c'est Guarnieri. Guarnieri. Mon enfant, vous avez eu le temps de méditer. C'est maintenant que commence votre noviciat. Et il est de mon devoir de vous questionner encore. Êtes-vous sûr d'avoir la vocation? Ma mère, je n'ai pas changé d'idée. À tes hommes qu'on ne touche pas un seul de ses cheveux. Ils le savent. Venez. Allez, vite.
Sais-tu ce que tu fais? Cet endroit est sacré. Le Seigneur vous bénisse, Sandrigo Bembo. Vous avez évité un affreux sacrilège. Soyez certain que le ciel saura vous récompenser. Quant à vous, Leonora, sachez que notre Seigneur veut des vocations et non des sacrifices. Vous vous êtes décidée à entrer dans les ordres alors que vous ignoriez que Sandrigo était vivant. Il est évident que sa mort était votre seule raison. Dans votre douleur, vous vous êtes réfugiée ici.
Allez, le monde vous attend. Et là aussi, il vous sera possible d'être une vraie chrétienne. Partez, mon enfant, et que notre Seigneur vous bénisse. Ma mère, je vais conduire Léonora chez des amis sûrs. Je sais qu'ils seront veillés sur elle. J'ai confiance en vous. Je vous confie Léonora. Aimez-la, faites-lui une vie très heureuse. Que Dieu vous protège. Que veux-tu, Sandrigo? Je veux ta vie. Quoi qu'elle ne vaille plus cher, cette vie vendue à Zeno. Alors, défends-toi. Si tu es vainqueur, personne ne t'attaquera. Mais j'ai promis de ne pas le faire. Tu la veux? Non, envoie-la à Rodrigo Zeno. Qu'il apprenne qu'une de ses meilleures lames est brisée. Venez. Voilà longtemps qu'ils devraient être venus. Les gardes sur les chemins et le canal ont été renforcés par peur des pirates. Ils ont dû être obligés de faire un détour. Oh, les voilà. Sandrigo. Ne crains rien. J'ai tenu ma promesse. Amenez-le par ici. Corrado Vendramini. Un de mes plus farouches accusateurs au Grand Conseil des Dix. Remercie-la. Elle a demandé qu'on te fasse grâce. Emmenez-le et enfermez-le dans un endroit sûr. Sandrigo, je te remercie de lui avoir laissé la vie sauve. Et j'ai tenu ma parole, mais en fait, je le regrette. J'aurais dû le tuer. Oh non, Sandrigo. Ne trouves-tu pas qu'on a trop versé de sang à Venise? Tu as raison. Pardon. Ces journées fastes prendront fin. Ensuite, nous pourrons être heureux. Il faut savoir patienter et avoir la foi. Sandrigo! Sandrigo! Bartolo! Je défie les gardes de réussir à retrouver notre prisonnier. Corrado Vendramini, l'illustre membre du Grand Conseil de Venise. Oh, il y a de la place pour beaucoup d'autres. Oh, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Un père capucin va arriver ici sous peu. Je l'ai connu lorsque j'étais jeune. Je lui ai demandé de venir près de nous. Si vous le désirez, il vous mariera. Depuis que Sandrigo a réapparu, tous les conseillers qui m'étaient fidèles disparaissent mystérieusement de Venise. C'est l'œuvre du doge. Qui agit par l'intermédiaire de son fils. Oui. Il doit savoir où il est. Pour réussir à faire rouvrir le procès de Sandrigo, il lui faut la majorité au sein du conseil des Dix. Il faut que j'aie retrouvé Sandrigo avant cela. Il est certain qu'il se cache à San Luca où les gars de la Giudecca lui veulent du bien et doivent l'aider. Mais cet endroit est le pire de tous. On ne peut y pénétrer. Il y a quelqu'un, monseigneur, qui y entre chaque fois qu'il le veut. Oui. Oui, en effet, je vois, et aucun des gueux ne le soupçonnera. Tu es le seul à pouvoir entrer dans le quartier de San Luca. Tu y es déjà allé sans encombre. Mais il est bien évident que Sandrigo a appris qui je suis à l'aveugle. Et je ne veux pas trahir leur amitié. Ils se sont montrés confiants avec moi. Chaque fois que j'ai voulu y aller. Non, ce serait déloyal de faire ça. Réfléchis, Guarnieri. Le doge se remet de sa maladie. Il entend réhabiliter son fils.
Et cette idée lui a redonné tout son courage et une vigueur nouvelle. Il veut nous anéantir et il arrivera à ses fins si nous ne l'en empêchons. J'ai déjà trop de remords et ma conscience me torture assez. Ce crucifix dirigé sur moi, c'est un cauchemar affreux. Je le vois constamment et il est partout. Tu entends, Michael? Je crois qu'il a peur d'un crucifix. Oui. Il ne te reste qu'une chose à faire, Guarnieri. Aller t'agenouiller devant le doge et lui demander de bien vouloir t'excuser de ne pas avoir un autre fils à lui donner à tuer. Tu n'ignores pas qu'un bon catholique doit tendre la joue gauche quand on lui a frappé la droite. Oh, c'est bon. Je ferai ce que vous voulez. Et quand je l'aurai fait, on ne m'en verra plus jamais ici. Jamais. Qu'il pourrait te reconnaître, hein, Guarnieri? Rien à craindre. Je te jure que j'ai pris mes précautions. Sandrigo Bembo, vis accipere leonora d'animic presentem in tuam legitina buxorem iuxta rictum sancte matris ecclesiae. Oui. Ego coniugo vos in matrimonium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctis. Amen. Sandrigo court le moindre danger, Bortolo. Sois tranquille, il n'y a rien à craindre. Seul un ami oserait venir dans cet endroit. Aucun autre ne tenterait une telle folie. C'est un très vieil usage que tous respectent. Danse, Esmeralda, danse encore! Allez! Thank you.
Sortir de cette prison. Je vous offre la vie sauve à vous et à Sandrigo. Dans quelques heures, ce sera trop tard. Le bourreau sera obligé alors de remplir son office. Je suis le maître de Venise. Le doge est sans force à présent. Tout ce que j'ai fait, c'est pour vous, Leonora. Vous épouser. Je vous aime. Léonora, si vous le voulez, un prêtre attend près d'ici pour nous marier. Je vous le jure. Oh. Je suis prêt à épargner Sandrigo et tous les vôtres si vous voulez m'épouser. La loi vénitienne n'a jamais permis à une femme de prendre un deuxième mari. Vous êtes mariée ? Avec Sandrigo Bembo, en l'église de la Giudecca. La nuit où vos alliés, les pirates, sont venus nous attaquer. Malheureuse. En épousant Sandrigo, vous avez signé votre arrêt de mort. Tout est prêt à présent. Et les fils des plus illustres familles de Venise n'attendent que votre signal pour exécuter notre plan. Ils ont tous juré qu'ils ne laisseraient pas mourir leur ami Sandrigo. Et le grand inquisiteur? Il a ordonné de renforcer la garde, mais il ne s'attend certes pas à ce que nous passions à l'attaque. Merci, Grimani. Passez par cette porte. C'est plus prudent. Puis-je savoir ce que cela signifie? C'est un ordre du grand inquisiteur. Venez. Vous osez traiter le doge de cette manière? Quand le doge tente de s'opposer aux volontés du Grand Conseil des Dix et prépare une révolte armée contre la République, il n'a ni droit ni autorité. Vous êtes arrêté et vous allez être jugé. Avec votre permission, je tiens à assister à ce réjouissant spectacle. Calmez-vous, Seigneur. Courage. Sandrigo Bembo. Enlève ta cagoule, Barnieri. Fais voir la face d'un monstre assoiffé de sang. Ne perdons pas de temps.
Ma hache est impatiente de te caresser le cou. Sortez tous. Laissez-moi seul avec le condamné. Doge, est-ce qu'il est arrivé? Pas encore, Bortolo. Mais il faut attendre le signal des cloches. Oui. Ménégo. Où est Ménégo? Il est déjà monté à son poste. J'espère qu'il va réussir. Peuple de Venise, écoutez. Voici la sentence qu'a prononcée le Grand Conseil de la Sérénissime République de Venise. En l'an de grâce 1645, le quatrième jour du mois de mars, en exécution de la sentence prononcée par l'illustre Conseil des Dix, Léonora Danine est condamnée à avoir le col tranché pour avoir donné aide et assistance au traître Sandrigo Bembo, malgré la défense qui en avait été faite par la Sérénissime République. Signé, pour le Grand Conseil des Dix, Rodrigo Zeno. Sandrigo était mon fils. Mais tu as oublié qu'il avait un tatouage sur la poitrine. Ou tu l'ignorais, et alors heureusement, il s'est produit un miracle.
Le ciel n'a pas voulu que je verse le sang de mon fils, mais toi, tu vas mourir. Rends-toi, Rodrigo Zeno. Michele, défends-toi. Ne le dis pas, Pietro, il est à moi. Tu vois le doge? Non, les cloches annoncent son arrivée. Nous demandons que justice soit faite. Vénitien, cessez ces luttes fratricides, Vénitien. Justice va être faite. Immédiatement. Emmenez-le. Exécuter la sentence, Seigneur. Merci d'avoir sauvé mon fils. Guarnieri, tu reviendras bientôt. Non. Le doge vient de me gracier, mais à la condition que je vive en exil. Je ne reviendrai jamais à Venise. Je l'ai promis. Veille sur Sandrigo.